Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir pour toutes fanatiques et auditeurs, auditrices qui branchent parler Haïti, la voix du peuple. Salutations par nous spéciales et que Papa bon Dieu bénisse nous toutes. Nous saluons toutes fanatiques qui sont internationales là, nous saluons fanatiques qui sont dans le pays d'Haïti qui branchent parler Haïti. Merci en pile, bon Dieu bénisse nous toutes. Jeudi à ce 31, c'est le dernier jour pour l'année 2023. Et t'as l'air comme ça, nous avons un petit temps, nous allons aller dans 2024. Moi, espérons nous en forme, que bon Dieu continue de protéger nous. Nous saluons l'équipe là, nous saluons Ronnie Boutonton. Nous allons aller droit, nous avons quelques informations, nous allons partager avec vous là. Ça a passé dans le pays d'Haïti. Actualité à qui s'allie et la police fait et un kidnapping échoué. Il y a une tentative de kidnapping qui a fait là. Et bien, kidnapping ça a échoué grâce avec plusieurs policiers. Et bien, bandits ont été couru. Et bien, la police déjoué une tentative de kidnapping. Et bien, dans la zone Delma 16. Et bien, et institution fait qu'on est. Bandi yo te getan chapé pou yo, les policiers yo te fait va sous machine yo, et bien bandi yo te quitté yon zam 9 mm Mark Taurus modèle PT809 qui gen numéro série li TFW5955. An dan machine victime nan, et bien pas de gen kidnapper qui te gen temps prend machine nan et puis pilotel aller avec toute victime nan. Et bien bandi yo bat et met machine nan en pile nan tête. Et l'hôpital, dans le moment où on a parlé là, machine moun ki victime nan, ki c'était yon Nissan Rogue Rouge. Eh bien, nan men la police, mesdames et messieurs, eh bien, grâce avec PNH là, qui échoué et kidnapping ça, qui tap fait, et jodi. L'autre information qui a dominé l'actualité en l'autre fond encore là, bandit avec zam, sous smat là, yon touye en bas coup de balle dans zone bon portal, yon personnage ça lui-même qui yon alias qui est le Ticoc, eh bien, dans le moment, personnage là lui-même, il a pral changer bef, eh bien, bandit yon vide balle sous lit, mesdames, messieurs, eh bien, yon personnage qui bandit touye avec plusieurs cartouches dans sous smat là, eh bien, personnage ça, c'est un paysan qui a pral changer bef, eh bien, dans zone qui relève et total bon total ti grand moun sa arrivé perdit la ville compatriote moi et bien situation compliquée avec gang qui acheté pays a presque avec l'argent comptant yon l'autre pasteur encore li fait connait pasteur ça li passé toute année la bay on sait des faux témoignages nous capable dire ça et pas témoignage mais la bay faux la prophétiser dit ça va passer 2023 2023 va jamais gang passer pour ça le dit yo et bien monsieur lui-même li di pour année 2024 qui va rentrer là et bien américain pral touye iso monsieur dit en pile bandi pral mourir dans mois janvier 2024 là mes amis et monsieur ça les mêmes qui dit ils sont prophètes et bien il dit 2024 là pas douce pour bandi parce que depuis janvier là en pile bandi pral mourir et bien pral faut entendre homme de Dieu ça les mêmes qui sorti dans silence l'autre fois encore pour le parler pour le dire comment ça peut aller? Alors, il dit, c'est bon Dieu qui dit comment 2024 là peut aller, qui ça peut le faire, combien de bandits peuvent mourir. Bon, faut attendre ensemble, côté, mais c'est lui-même pour faire ça, lui-même, il a fait déclaration. On attend ensemble, là, tout le monde. Faut nous dans l'Irak, après coup, nous ne pouvons pas camper devant Chablin, des armes, pour venir. Avion, hélicoptère, il y a un côté, il y a un gaz, 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 il y a un poule. A dit, ils ont goûté, il y a un gaz. Ah, bah, non, ok! Et d'ailleurs, pile le monde naïf. Les bon bagages que m'ai inventé pour me faire nous plaisir ou bien faire nous fâcher. Mais moi là pour dire nous vérité, comme un idéologue, comme un monde qui a prié, comme un monde qui a rêvé, comme un monde qui a espéré, comme un monde qui a étudié parole de Dieu. Je partage avec nous un baiser de deux pères pour me dire nous patience et courage. Fin d'année est déjà difficile, mais pour début de nouvelle année 2024, là, moi, la société a encore. Nous avons toujours dans la violence. Parce que la dernière vie que j'ai fait, moi, le militaire étranger est fini, j'ai dit ça déjà. Et moi, c'est notre tête seulement au fusil et vagabond. Tu as dit, ici, déposer les amis, ils ont dit c'est fou. Parce que ça, les amis, ils ont mangé. Dans la ville, ils ont là, dans le quartier populaire. Dans la zone, dans la Mariani. C'est la zone où j'ai mes frères, mes familles qui habitent là, de Lambi. Mais c'est cruel de voir. C'est terrible de voir ce que nous sommes devenus. Alors, encore, je dis nous, monsieur, si nous sommes capables de désarmer tête, nous courir depuis bon pour nous. Parce que les militaires étrangers, l'armée américaine aussi bien que l'ONU, moi, ouais, si on est dans l'Irak, après coup, nous ne pouvons pas camper devant Chablin, des armes, pour venir. Avion, hélicoptère, il y a un côté qui a gazé la zone. Il y a un gaz, on va plus fort que tomber dans la poule. A dit, ils ont goûté, il y en a un. Ah, bah, vous m'avez dit, non, ok.
Et d'ailleurs, pile moun naïf. Il n'y a pas de chef d'État. Qu'il s'agisse de X ou Y qui t'est passé, Michel Martelly. Il n'y a pas de valeur de chef d'État. Chef d'État, c'est, il dit la politique, c'est l'art du possible. C'est celui qui est capable de faire des miracles. C'est celui qui est capable et, de repousser les ténèbres et épouser la lumière et apporter en conséquence la délivrance. Un chef d'État, on va entendre parler de Bouteflika en Afrique. On va entendre parler de Paul Kagame en Afrique. Ces hommes humbles et simples. Ils ont fait des miracles. Tout le continent africain n'est pas que misère, désolation et solitude. Il y a des chefs d'État qui sont consciencieux, qui font des choses extraordinaires. Le mal haïtien, toujours expliqué comme un mal qui est profond, qui touche qu'une nation, qui touche une homme nation. Et vous voyez que tant que haïtien, il faut qu'on réconcilie avec bon Dieu dans l'esprit, on ne va pas marcher. Parce que bon Dieu, c'est le moteur de la civilisation du monde, de toutes les grandes civilisations. Bon Dieu, c'est le moteur, c'est l'Esprit de Dieu est le moteur du progrès de la science. L'Esprit de Dieu doit gouverner le peuple haïtien à travers des hommes choisis. Comment ça va se faire pour l'Église adventiste honorer Ariel Henry parce qu'il a bien gouverné le pays? Bon, il n'y a pas honoré l'homme parce qu'il a bien gouverné. L'Église adventiste, son communauté, pour moi, il y a plus de monde qui connaît la donne, mais il lit la Bible très mal en même temps. Et on fait plein de monde souffrir dans sa robe comme doctrine. Comme si on était en bas. Bon, il y a des prétentions, il y a des écoles théologiques, il y a des églises un peu partout. Toute ville Haïti, l'église adventiste, il y a des temples. Parfois, il y a achevé. Il doit faire 20 ans là pour son petit temple, il y a un fini. Avec regret, je dis ça. Mais toutefois, question honorée à Ariel. Ariel soit adventiste, parce que papa Ariel, c'était un gros pasteur adventiste. Ariel, il y a un frère. Qui a une mission adventiste aux États-Unis, qui travaille. Il n'y a pas de mentir tout, vous comprenez ça, nous là? Mais qui a fait comme. On dit qu'il n'y a pas de mentir tout, là. Il n'y a pas de mentir, parce que le groupe religieux va remplir le mentir. Et les gens qui ont fait mentir, ils vont être conscients de mentir là-bas. On n'a pas fait trop. La doctrine religieuse, doctrine protestante, ils ont bloqué le pays. Ils ont vraiment vaudou, ils ont détruit Haïti. Les leaders protestants ont détruit le pays d'Haïti. T'es où qui est pour ça? Un groupe, il est un témoin de Jéhovah, X ou Y, sec protestant. Ils mettent les gens dans la peur, ils mettent les gens dans la prison morale, et puis ils disent qu'ils avaient évité le monde. Pourtant, Dieu veut nous donner le monde comme un champ. Le champ missionnaire, ce n'est pas quatre murs dont il église de 100 membres pour mentir. C'est le monde qu'il faut évangéliser. Et peut-être aujourd'hui, il faut réévangéliser l'Occident. Il faut réévangéliser les États-Unis. Le peuple haïtien doit être évangélisé. Pour mon Dieu, il placer loi d'amour dans le cœur nous. Et ça, où il dit dans le livre Hébreu, chapitre 10, il dit m'a va écrit loi mieux dans le cœur nous. M'a va mettre ordonnance dans l'esprit nous. Nouvelle alliance là, il va faire dans le sang, la fête dans l'esprit. Et l'esprit a pas vu l'habiter dans nous, et il prend dans nous le regard divin, la puissance divine. Alors, il y a un Ariel comme un ancien adventiste. Comme un adventiste qui domine le pays à un moment difficile. Mais alors, oui, comme un adventiste, ok, comme un adventiste. Mais Ariel, c'est pas comme un chef d'État fécond, bienfaiteur de la. Loin de là, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Et peut-être comme ça, tu es le bas au diarrhée à toucher, il a couché l'argent. Et puis, comme là, on va travailler pour l'île, tu es le bas au diarrhée. Vous avez parlé du gouvernement Ariel là, tu as supposé gagner rien? Oui, tu as gagner rien. Parce que pas font rien là. Ils ne font rien. Haïti, c'est le désespoir, la misère la plus noire. Je me dis, l'autre touche son corps, ou pas travailler pour lui, il faut avoir une bonne conscience qui vous dit, ah, je ne suis pas capable. Et puis je me retire. Je ne suis pas capable de me retirer comme. Mais moun sa yo, le plus yo est malheureux, il y a des gens qui souffrent. Les deux, il n'y a pas aucune compassion. Cœur dur, plus dur que le roc. Il n'y a aucun. Il n'y a pas de centrale de miséricorde. Il y aura souffrance, moun, qui souffre beaucoup de temps. Alors, on a fait l'année à tout, on vient vous dire, nous, pas oublier dans 3 jours, c'est la fête Noël pour certains.
Il y a un groupe évangélique qui fête, il y a un pas fêté. Et même gens, moi-même, cultiver la tolérance en matière de religion. Moun qui a fêté bonne fête, moun qui pas fêté tout, moi salue, nous m'a dit nous bonne fête d'année. Pas fêté ou même pas? Oui, moi dans l'esprit de cette fête, parce que célébrer la naissance de Jésus. Il y a une problématique, puis le groupe évangélique qui dit qu'il n'y a pas fêté. On pourrait savoir qu'il n'y a pas fêté, et parce qu'il dit, pas de monde qui compte qui date Jésus de fête. Même le pas de monde qui compte date Jésus de fête, bon, on aurait les conventions. Puisque nous savons historiquement, Jésus qui avait vécu sur la terre, par convention, nous déterminons une date, nous dit date ça, nous réservons pour nous commémorer la naissance de Jésus. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ça qui est plus belle dans l'histoire, c'est ça qui est écrit dans Matthieu chapitre 2. Avant d'aller dans pas de ça. Dans verset 1. Année ça fait Jésus-Christ combien d'années? Oh, civilisation chrétienne, il y a plus que 2000 ans. C'est plus que 2000 ans. 2000 ans. C'est pas exactement 2000 années. Alors, mais ça pense à la dit dans Matthieu 2, verset 1er. Jésus étant né à Bethléem, de Judée, au temps du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui est né? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Et ces mages-là, c'était plus que des savants. C'est peut-être pas comme les savants atomistes de nos jours. Il y en a qui ont été versés dans les sciences de l'esprit. Ils ont appris à reconnaître esprit, génie, qui a dominé le monde. Ils ont venu dire, ouais, on a son fête parce qu'il y a une étoile. Qui ça, étoile, ça veut dire pour nous? L'étoile, c'est le symbole d'un ange libérateur. C'est l'esprit même d'une nation. Aussi bien que moi-même tout, parce que c'est prophétisé, je prends la joute aux étoiles dans le drapeau haïtien. Parce que l'année 2010, nous, ouais, aux étoiles brillent sous le pays d'Haïti. Nous avons un aigle blanc qui te couvre le pays en bas. On a des messages. C'est le symbole de la renaissance haïtienne. Pour dire, bon Dieu, assistez-nous puissamment. Il y a l'ange de notre libération qui est présent parmi nous. Nous prenons ajouter une étoile dans le drapeau haïtien qui est le symbole de la présence de bon Dieu dans la nation. Un dernier message pour nous examiner pour l'année 2024 là. Désarmez tête nous. Libérez pays. Vous n'êtes pas des hommes. Vous n'êtes pas des militaires qui étaient qualifiés par l'État haïtien pour servir le peuple haïtien. C'est vrai, par ailleurs. Catégorie pouvoir être calé ça. Il faut être des gens qui te crampé en face. Entendez? Parce que les gens ne savent pas de soucis pour les pauvres. Si vous n'avez pas des amis, quand vous dépensez, vous faites manger la caillou un jour, vous travaillez un an, vous n'avez pas de roule. Ou même, vous travaillez un mois, vous n'avez pas de roule. Si vous n'avez pas des amis, qui s'est calé? Vous êtes tout le monde mourir, me dit. Militaires étrangers prennent le fusil et puis font la tête. Parce que l'armée américaine, l'ONU, est en train de contrôler Haïti déjà. Voilà, on continue avec l'information. Gagné et. Ça passait dans la 4e section communale Tigouave, dans la localité que les Fontarabi, zone Ravine Djab. Yo levé joine un jeune garçon qui pend sous un pied bois. Et bien je dis à la qui c'est 31 décembre nan, bien bonnet matin là, yo joine un jeune garçon qui gion maillot bleu sous lit avec un jean bleu et gion valise noire qui coqué dans doul. Moun dans zone Tigouave qui gétan vinn garder, yo di yo pas konwe visage ça dans zone nan. Alors pièce pour ne pas connaître qui mon jeune garçon ça y est parce que mon dans zone dit pas connait mais c'est ça et cette population mandé avec autorité pour presser pour y faire constat et cadavre là pour capable décoquer et cadavre là sous pied bois parce que s'il était pour demain là ba en pile mon problème dans zone là puisque il commençait à dégager et là OK il commence à dégager cadavre là commencer à gâter et bien il demandé pour mon qui concerne yo faire un passer pour aider yo retirer corps ça sous pied bois li kokia mesdames et messieurs gon groupe mesdames qui font bel travail dans pays là nous parle pour mesdames ça qui pour parler et bien action ça mérite en pile encourager fondation Ferouji et bien qui débarqué dans prison civile local là yo bay plusieurs kits hygiéniques mes amis nous parle temps des déclarations mesdames yo par rapport avec bel geste ça yo fait ça vraiment important les nous aller dans prison aider moun qui n'ont besoin parce que ça nous fait là son bel geste lié conseil des femmes dans prison qui vraiment besoin c'est des bagages pour faire pour prendre soin corps yo pas capable mesdames yo débarquer dans prison pour faire geste ça et bien moi le prendre pour parler pour expliquer ce qui ça pousse yo passe qui ça pousse yo même pour faire bel geste ça avec moun qui dans prison yo mesdames comment nous y en aller. Nous voulons faire comprendre que les gens qui sont en prison en Haïti, ce n'est pas les gens qui sont rejetés hors de la société. Il faut que les gens sortent avec quelques
bagay lan package si li lè sorti nan prison faut qu'il ka sorti avec l'autre réflexion faut qu'il ka sorti avec l'autre vision nan prison y a besoin en pile accompagnement est-ce que c'est une fondation pour l'émancipation des femmes et des filles jodi an qui c'est dernier jour lan année a c'était un plaisir pour nous te vinn nan prison civile au Kay pour nous vinn partager l'amour partager affection nous partager remè nous partager respect nous avec mesdames qui sont en prison et nous fait toute année jodi an c'est un grand jour pour nous penser avec yo et gen l'autre qui gen ban nous en pile l'autre doléance nous va faire en pile l'autre suivi parce que yo besoin nous et nous besoin yo et nous besoin pour nous promulguer pour nous partager plus sagesse avec yo parce que leur sorti en prison faut qu'yo vinn sage et nous gen présidente nous qui l'a avec nous c'est Erline Dorléan. Erline Dorléan, bonjour la presse palais et puis télévisée et puis en ligne. Bonjour, c'est un plaisir pour nous comme Ida Sodil. Faut dire nous Ida c'est représentant national Fuji. Moi c'est présidente sud parce que Fuji lui-même ils sont fondation qui établit pour le monde là parce que nous gagnons la Boston, nous gagnons New York, nous gagnons la Santiago, nous gagnons les Brésil, nous gagnons les Port-au-Prince, nous gagnons les Cabaret, nous gagnons les Saint-Raphaël. Au contraire, aujourd'hui Saint-Raphaël gagne pour lui aller dans le canal là. Parce que demain, 1er janvier, vous allez faire ce jour où vous décidez de bailler dans le canal là. Donc, je vous dis, c'est un plaisir pour nous être capables de venir dans la prison, pour nous être capables de partager avec mesdames ça que nous-mêmes nous apprenons. Vous regardez bien, nous baillons mesdames liquide, que nous-mêmes, Fuji, nous mettons dans la structure là, nous faisons formation pour mesdames, pour que nous apprenions à faire un paquet de bagailles. Et je vous dis, nous venons décider de partager avec mesdames dans le dernier jour de l'année. Pour être capable de faire sentir valeur en tant que monde, pour être capable de faire exister, sentir faire sentir existence en tant que monde qui a vécu dans la société, mais li pas hors société, li pas rejet vraiment quand Jean l'autre était capable penser là. Et nous sentir c'est un réel plaisir pour nous, pour être capable de venir là ensemble avec vous, pour partager l'amour, la joie, faire content, sérénité avec vous. Ok, nous sommes participés dans l'échange que nous côté que nous bail plusieurs quitte avec prison femme dans Okay. Dis-nous comment nous ouais mesdames ont réagi. Bon, mesdames ont réagi, yo content, yo remen geste là et yo mandé nous plus accompagnement toujours et nous prêts pour nous accompagner yo et nous pral discuter ça en groupe. Mesdames yo remen ça, yo applaudi ça et nous-mêmes geste en fait nous bien, nous senti que partage ali très très important, on nous pense avec yo. Parce que y a besoin de ça. Rappelez-nous, qui est-ce qui est la kit comme ça? La kit, nous gagnons papier hygiénique, nous gagnons liquide, nous gagnons mistoline, nous gagnons pâte, nous gagnons brosse dents, cotex, déodorant, savon lavé, savon toilette, nous gagnons et nous faisons un kit complet pour vous, pour vous servir pendant 2-3 jours parce que rendez-vous nous pas trop long avec vous. Nous avons rendez-vous encore avec vous. Côté fonds ça sorti pour nous faire activité. Fonds ça li sorti dans cotisation Fuji nous même sud après ça li sorti dans cotisation et présidente nous qui c'est Ferrari Mona Lisa qui a vive à New York. Jean présidente nous dit c'est là fonds ça a sorti cotisation nous et cotisation présidente nous Mona Lisa. Selon nous même qui Jean nous ouais et nous ca collaborer avec et moun ki nan ap nan prison pour nous aider mesdames et jwenn plus bagay tan pou manger l'autre activité avec ça l'autre côté. C'est pas seulement j'ai simplement yo besoin éducation tout en dans prison hein. Jean t'a dit tout à l'heure yo besoin lecture, yo besoin yon loisir parce que santé mentale yo besoin ça tout parce que leur sorti faut que sorti solide, yo besoin d'information. Moun pa konnen comment ça va le faire mais yo besoin ça parce que c'est première fois nous fait ça avec prisonnier mesdames. Nous ka dit non, nous pas faire pour la première fois mais année nous là nous pas faire pour la première fois, nous fait de très souvent. Et ça va inspirer de année ça qui venir. Bon année ça qui venir, on a travaillé sur bibliothèque avec pour ka faire lecture et même comme si ça qui pas qu'on écrit non yo pour ka signer non yo parce que nous pas voulez n'a dit zéro tolérance ti quoi abat en pointe
pour moun nan ka signer non, n'a travaille sur ça, nous par contre comment ça va le faire mais n'a travaille sur lui et puis tout n'a travaille sur formation artistique, sur en pile l'autre formation toujours parce que le moun nan sorti en prison, faut qu'il ka gon l'autre direction, lui dit bon sorti en prison, m'ral fait tel bagay, m'ral fait tel bagay, m'ral monter telle entreprise, faut que nous ka reformer moun nan, faut que nous ka recentrer moun nan, faut que nous ka réintégrer moun nan là que sorti en prison. Environ combien de femmes qui bénéficient de ça? Et gagner 30 femmes, mais nous mettons en plus, nous baillons 32, et nous allons mettre le juste, va vrai, président, nous mettons en plus pour y'a à l'aise. Expliquez-nous, qu'est-ce que ça fait dire directement en général? Bon, c'est une fondation qui est là pour émanciper les femmes avec les filles. Dans l'émancipation des femmes, j'aime ce que nous avons dit, nous regardons bien, nous faisons formation sur la question de crochet. Après, mesdames, nous faisons rad crochet. Après, nous faisons sandales artisanales que nous avons mis. Après, nous faisons zano. Et nous faisons des bagages matériels, nous faisons liquide, savon toilette, savon laver, savon parfum, vinaigre, mistoline, tout ça. Donc, ça veut dire que l'infini tout nous aide les femmes tout dans la formation. Pour nous montrer comme si pour ne pas consommer la violence, parce que la violence en l'air, il faut que vous soyez capable de déclarer, il faut que vous soyez capable de vous en position, vous soyez en espace qui est à l'aise, vous soyez capable de dire que la violence a subi, et puis nous même tout, pour nous capable de garder dans qui mesure nous sommes capables d'aider, d'apprendre, émanciper tête. Un message pour nous terminer. Bon, message pour nous terminer, nous avons dit, c'est l'amour, respect, et en nous mettant la paix en mettant nous, parce que nous avons besoin pile la paix. Et nous besoin pour nous chauffer membre nous avec l'amour et nous besoin plus combit pour nous mettre tête ensemble pour nous faire 1 plus 1 égale 2 pour nous avancer avec Haïti et 2024 nous bon slogan c'est biou biou et n'avancer parce que faut que nous émanciper, faut que nous réintégrer, faut que nous montrer que vivre doit excitant chaque jour. Et il faut que nous vivions avec l'amour, avec respect, dignité et la paix. Merci. Merci. Voilà, nous continuons. Il y a une croissance économique PIA qui est déjà négative. Et bien, il y a un économiste Camille et bien, qui soutient en silence, économiste Camille Chalmers. Et bien, il demande avec l'État, qui l'État pour dégager, pour être capable de mettre PIA sur le développement, puisque. Et pays arrivé dans phase là, zanmim ça pour que jamais existé dans l'histoire pays a. On regarder au jeune économiste et économie pays d'Haïti à zéro parce que tout cop qui vient dans boîte là, nèg yo prend tout l'argent yo net yo fait affaire par yo. Mesdames messieurs, nous pour comprendre puis bien ça qui passé dans pays d'Haïti spécialement ça qui gain pour avec économie pays a et bien économiste Camille qui soutient dans silence tout et monsieur mandé avec l'État haïtien pour dégager yo. Comment Jean-Jacques pour exiger patron yo satisfait revendication ouvrier yo et puis fixer dans un délai tout pour capable augmenter salaire minimum yo. Alors mettre la voile parler tout sur nèg yo cap voler l'argent pays qui quitter en pile monde dans nécessité spécialement fin année là yo pas veut aider moun yo et bien pour plus de détails mesdames messieurs nous pral tenter déclaration maître Camille Leblanc après ça nous pral prendre 2-3 amis dans international là pendant mettre la fin parler. Mettez vous en chaîne, on va suivre ensemble. Nous allons parler avec l'économiste Camille Chalmers qui est déjà avec nous. Nous allons parler avec lui, notamment de croissance négative qui a continué dans le pays. Bonjour, Monsieur Chalmers. Bonjour, nous saluons tout le panel là et nous saluons tout auditeur auditrice qui est avec nous matin. C'est un plaisir pour nous recevoir tout monsieur Chalmers nous allons parler économie et nouvelle yo pas bon du tout Jean ou connaît déjà c'est parce que nous continuons à perdre richesse dans pays et c'est IHSC qui lui-même révélé ça Haïti connaît une contraction économique une autre fois encore d'après IHSI. Et c'est sans attendre, eh bien, IHSI a annoncé l'économie, hein, li pas enregistré une croissance pour l'exercice fiscal 2022-2023. Oui, effectivement. Et c'est peut-être dans l'histoire économique pays, hein, première fois que nous vivons 5 années consécutives de croissance négative, et qui sont bah, extrêmement graves. Donc, ça veut dire que là, nous entrons carrément dans une dépression économique.
et dépression économique qui voulait dire qu'on a une population qui est de plus en plus pauvre ou gagner une population qui est en situation de plus en plus désespérée, une population qui a fait face à plusieurs crises, notamment crise alimentaire, hein, côté que gagner insécurité alimentaire qui toujours affecté plus de près de 50% de population. Une population qui a fait face à une inflation importante. Hein, et ça veut dire que TICOP qui entre dans maintenant de plus en plus pas gagner vraiment un pouvoir d'achat qui permet lui acheter minimum de biens que les besoins pour être capable de vivre décemment. OK? Et ou gagner en situation côté que ou gagner une économie qui est de plus en plus anémiée. Ça veut dire que gon ralentissement significatif de l'activité économique, gain réduction des importations et ça lié évidemment connecté avec crise sociopolitique là, côté qu'on gon pays qui est en otage et un pays qui de plus en plus a fait face à la terreur des gangs et côté que majorité activité économique soit que paralysé complètement soit que ralenti. Mm-hmm. Par exemple au niveau des échanges nous voyons qui gens que contrôle que gang yo gen de axe routier principal qui communiquait département l'ouest là qui communiquait Port-au-Prince avec le reste pays hein, fait que activité économique de plus en plus difficile et acteurs économiques yo a fait face à une situation côté que yo pas capable vraiment faire distribution de biens qui produit yo. Donc, on gagne une situation paradoxale de surproduction, par exemple, au niveau de l'économie paysanne. Dans la région Grand'Anse, dans la région Nip, par exemple, on gagne un volume important de biens alimentaires et pas capable de commercialiser. Ça veut dire que le paysan fait face à des pertes de plus en plus importantes, côté que il n'est pas capable de commercialiser une partie importante de récolte. Et le fait que circuit commercial yo handicapé fait que bien importer au cas privé dans le département ça de plus en plus cher. Mm-hmm. Puisque pour yo capable passer Matissan, pour yo capable passer Mon Cabrit, yo fait face à des situations de rationnage que yo obligé payer donc commerçant ça yo pral répercuter sous prix et vers le consommateur. Mm-hmm. Donc son situation catastrophique et ça qui est extrêmement paradoxal, c'est que le Fonds monétaire international, qui fait une révision des dépenses publiques en mars 2023, lui, ben, satisfait total, il bat bravo la contentement pour le gouvernement, côté que lui applaudit gestion économique gouvernement, en particulier pour la période de 2022, okay? Et lui renouvelé. Ça, les SMP, Staff Monitoring Program, et que adopté à la fin du mois de juin 2023, c'est une période de 9 mois qui peut aller jusqu'à mars 2024, avec possibilité que le gouvernement mande une prolongation. Donc, ils sont extrêmement satisfaits. Pour qui ça que ils sont satisfaits? Comment se fait-il qu'on a une économie qui est de plus en plus anémiée, qu'on gagne une économie qui a porté pratiquement dans une situation de dépression, et puis le Fonds monétaire et économique, Fonds monétaire international n'a pas applaudi. Ok, nous pensons que c'est un bagage qui t'a doué, fait que nous réfléchissons en pile sous crise là, le fait que effectivement ça que nous vivons là, lui correspond à volonté tout un ensemble d'acteurs qui était planifié depuis une vingtaine d'années que Haïti fait le fait d'où est une entité chaotique ingouvernable, ils ont fabriqué chaos, ils ont fabriqué déstructuration institution étatique qui est capable qui mène dans la situation que nous avons aujourd'hui. D'après vous, même alors, c'est pour pas... qui ça, pour qui ça FMI applaudit? FMI pose, pour qui ça FMI applaudit? Il applaudit parce que gagne une légère augmentation des recettes de l'État. Nous connaissons que la pression fiscale est toujours très faible. C'est une pression fiscale qui était autour de 5,3% du PIB et qui passait à autour de 6%. Donc, les recettes fiscales, l'État a augmenté. Évidemment, si les recettes fiscales, un pays a augmenté, dans une situation où la misère générale a augmenté, que l'économie a ralenti, que l'activité économique a anémie, je ne sais pas si on est capable de battre bravo la contentement pour ça.
Donc, il y a une question d'augmentation de cette fiscale. Il y a tout le fait que le financement monétaire, là, ça veut dire que la Banque centrale est obligée de fourrer maintenant en poche pour les financer le déficit budget de l'État, les moins. Okay? Et puis, il y a applaudi le fait que il y a pensé que il y a un effort qui fait au niveau de la transparence, au niveau de la lutte contre la corruption, parce que il y a décidé de publier détails sur les dépenses publiques régulièrement. Donc, il y a dit très content que il y a un effort qui fait pour réduire la corruption, etc. Donc, nous pensons que c'est clair que, disons, que l'évaluation que l'FMI fait, hein, sous évaluation qui est tout à fait contraire à sentiment que la population a gagné, que un véritable fondement économique, et le contraire à, dit, une logique de base qui t'a voulu que l'économie au service des conditions de vie. Ça veut dire que l'économie au pays t'a doué au service de l'amélioration des conditions de vie. Oh. Amélioration, par exemple, capacité que la population t'a doué gagner pour nourrir tête. T'a doué conduire ton économie qui a généré emploi, alors que nous gagnons une augmentation du taux de chômage. Et côté que le niveau emploi a réduit et de façon très significative dans plusieurs secteurs, n'est-ce pas, notamment au niveau du secteur de la sous-traitance et d'exportation, côté que il gagnait des pertes autour de 15 à 20 000 emplois. Donc voilà, donc c'est une situation catastrophique et c'est une situation côté que il gagne une véritable répression fiscale. Et répression fiscale qui passait par exemple par nouvelles modalités de gestion à travers par exemple de nouvelles lois fiscales, nouveau code fiscal qui va entrer en vigueur en octobre 2024. Et il y a estampillé sur par exemple le fait que il y a éliminé subvention à la consommation des carburants. OK, donc qui voulait dire qu'on gagne une augmentation extrêmement importante de prix aux consommateurs de tout carburant, tout hydrocarburant, qui a augmenté en un an de plus de 260% et qui provoquait une augmentation des coûts de transport de près de 150%. Donc, une grande situation côté que moun pa ka vive dans le pays et pas gagner une revalorisation des salaires qui est capable de permettre que une récupération de pouvoir d'achat qui permet que la population fait face à une nouvelle situation de véritable répression fiscale. Donc, tradition économique néolibérale, là, c'est que c'est une évaluation monétariste et une évaluation qui pourrait le baser avec pratiquement un raisonnement de comptable. Côté regarder, est-ce qu'il y a plus qu'on va entrer dans la caisse l'État? Effectivement, recette fiscale est passée de 11 milliards de gourdes par mois à 17 milliards de gourdes par mois. C'est pas? Et parce que mécanisme de perception fiscale et a fait que plus l'argent entre dans la caisse de l'État, ils ont dit son bon bagage. Alors que normalement, si l'argent entre dans la caisse de l'État, il faut que l'argent ça a servi à améliorer les conditions de vie de la population. Il faut que l'argent ça a servi à augmenter les investissements publics. Ça veut dire notamment, tu as dû gagner des améliorations extrêmement significatives au niveau des infrastructures. Tu as dû gagner des améliorations significatives au niveau de la gestion des services de base, par exemple la question de l'eau potable, la question de l'assainissement, la question de la santé publique, n'est-ce pas? Tout bagaille ça yo, au rouge, côté que nous gagnons des reculs spectaculaires qui fait dans tout domaine ça yo, malgré tout, et peut-être même à cause de ça, FMI satisfait et bat bravo la contentement, et un gouvernement qui a appliqué de façon totale toute recette que Fonds monétaire international bail pour gestion économique pays. Tout à l'heure, tu as noté que ça a privé en Haïti, c'est en construit. C'est pour ça que FMI bat bravo la contentement ça le bail. Les bat là. Mais aidez-nous à comprendre ce qui ça a basé pour dire que ça a privé c'est en construit, notamment avec des acteurs locaux et internationaux. Non, depuis plus d'une vingtaine d'années, c'est un ensemble de rapports qui sortent sur le pays d'Haïti, faits par des experts des Nations Unies et d'autres mécanismes, qui t'ont dit Haïti est une entité chaotique et ingouvernable.
Et bon, il est clair qu'il y a 20 ans, nous n'avons pas tant de situation nous y est là aujourd'hui. Situation empirée de façon absolument dramatique, notamment la dimension de déstructuration des capacités et des mécanismes de fonctionnement des institutions étatiques. Et il est clair qu'ils ont créé les conditions de ce chaos. Ils ont fabriqué le chaos, ça. Et nous avons dit que c'est pratiquement une prophétie autoréalisatrice. Côté que je dis, effectivement, on a dit que Haïti est une entité chaotique et gouvernable. OK? Mais le chaos, ça, justement, il y a une caractéristique fondamentale, c'est la destruction de l'État, la destruction des institutions étatiques. Et donc, on est que dans le programme néolibéral, il y a toujours présenté l'État comme le mal absolu. Donc, il faut réduire les fonctions de l'État et transférer le plus possible l'ensemble d'espace vers le secteur privé, n'est-ce pas? Et notamment, nous voyons qu'ils travaillent pour que l'État retire quoi la question de gestion et commerce carburant. Okay? Et il est clair que ça a affaibli la capacité pour l'État gérer tête la capacité pour l'État répondre à besoin de la population, la capacité pour l'État d'être capable de générer des processus de développement économique liés, par exemple, à l'objectif ODDO, les objectifs de développement durable. Donc, il est clair que nous sommes en présence d'une destruction programmée de l'économie haïtienne et qui est dirigée par le Fonds monétaire international et les élites locales, OK, qui produit une situation chaotique qui est extrêmement pénalisante pour la population, hein, qui a plongé de plus en plus dans la misère, qui a plongé dans une situation de plus en plus côté que lit à la fois victime de répression physique à travers la violence des gangs et les victimes de répression fiscale à travers des nouveaux mécanismes de perception qui de plus en plus a fourré main dans la poche tout le monde pour prendre petit adoquin qui était. Dépression économique, croissance négative, ça, IHSI, qui notait des raisons qui fait nous vivre là. Et une autre fois encore, il notait insécurité, instabilité politique, retard qui gagne l'exécution, grand projet construction et réhabilitation infrastructure publique, réduction main-d'œuvre qui disponible. Donc, qui analyse pas par rapport avec ça, par rapport à ensemble de causes, ça, mis à part, sur cette cité-là. Non, il t'a dit qu'il y a une cohérence entre, par exemple, l'action que gang a fait avec, disons, type de répression fiscale que le Fonds monétaire international recommandait. Parce qu'il est évident que, par exemple, sur la question d'augmenter la pression fiscale, okay, il est clair que tout le monde est d'accord pour que gang ait un assainissement qui fait, par exemple, au niveau de la perception douanière. OK? Mais Jean que le fait là, il n'est pas fait du tout dans le sens pour que, justement, il y ait un renforcement des capacités de l'État pour être capable de répondre aux besoins de la population, hein, pour être capable de dynamiser l'économie. Hein. Il est fait dans une logique de répression. Même genre, donc, où il y a une répression militaire qui est faite à travers les gangs et pour une répression fiscale qui est faite à travers des nouveaux instruments de perception. Et aux situations côté que de plus en plus de population aux abois et n'est pas capable de vivre parce que comme qui est en train de pocher, pas permettre de répondre à besoins élémentaires, ne serait-ce que sur le plan alimentaire. Est-ce qu'on a développé pour nous une classe répression fiscale et répression militaire au noté et puis qui part au service population et pour aider les amis auditeurs, auditrices, bien comprendre et répression, ça a cité plusieurs fois pas d'entrevue, ça. Non, bon, d'abord, et tout le monde, ouais, par exemple, qui gens que nous gagnons une augmentation significative de puissance gagnée, OK, en termes d'occupation de territoire, en termes d'intervention sur le fonctionnement de l'économie, notamment à travers les infrastructures routières, et nous gagnons, par exemple, au niveau de l'Antibonite, action gagnée pour une réduction significative de la production agricole. Il y a une caractéristique, par exemple, de l'effondrement économique, là, c'est que vous gagnez
des taux de croissance négative de la production agricole, notamment au niveau céréalier. Bon, il était lié à une longue période de sécheresse, mais il est lié tout à Action Gagnon, côté que producteur du riz dans la Tibonite, depuis qu'il a commencé le travail, Gagnon paraît qui dit en vent qu'on plantait, mais quantité milliers de gouttes pour mettre dans la poche. Non. Mm-hmm. Okay? Donc, il y a une action directe de répression qui empêchait que le monde vive normalement dans le pays. Hein? Et évidemment, nous voyons qu'au niveau de l'État, pas gagné aucune mesure significative qui prend pour diminuer la présence gangio, réduire la violence gangio, pas, et répondre à l'insécurité structurelle ça, qui passait à travers une violence inouïe et des souffrances énormes. Et nous profiter, saluer la population hein, qui, justement, vive une situation désespérée et de violence extrême grave et quotidienne. Pas nous, c'est passé Carrefour, par exemple, récemment. Et on paraît que il n'y a aucune réponse significative qui bat la situation ça. Donc, c'est ça qu'on a les répressions qui fait à travers des mécanismes de violence qui paraissent formels, mais qui, en fait, qui connectaient avec tout l'ensemble de l'autre mécanisme de violence formelle. Et au niveau économique, nous voyons qui gens que, par exemple, toute taxe a augmenté, okay? Toute taxe a multiplié, parfois a multiplié par deux, a multiplié par trois. Et le que l'État a gagné, a dû gagner des ressources financières plus importantes dans le pays, qui ça que le fait avec ressources financières, ça? Est-ce que, par exemple, il finance l'agriculture? Est-ce qu'elle permet que gagner une disponibilité de crédit plus important pour que le monde fasse des investissements au niveau du secteur agricole ou au niveau du secteur industriel? Non. OK? Comme ça n'a pas utilisé dans ce sens du tout. Donc, c'est clair que là, et nous pas du tout en présence d'un renforcement des capacités de l'État pour être capable d'intervenir. Et ouais, qui genre que, par exemple, le crédit qui était disponible, par exemple, au niveau du secteur, au niveau de certains secteurs clés, comme par exemple l'agriculture, comme la santé, ils ont ralenti, ils ont diminué. Okay? Donc, c'est ça que, justement, nous relèvons en répression fiscale et côté que l'IPA bail l'État aucune possibilité pour qu'il soit capable de renforcer la capacité pour lui remplir la mission que la Constitution pays en balai. Et il y a une bail qui est paradoxal, par exemple, comment que et la question du budget de l'État, qui genre que budget de l'État a fixé, est-ce que le budget de l'État dit fait l'objet de tout un ensemble de négociations et de consultations globales? Non. Et FMI, dans le texte lié pour Brad Bavo, la contentement, il propose que l'accord 21 décembre soit un accord consensuel, okay, et que HCT1, dit pratiquement, il fait comme si HCT1 joue un rôle de parlement et de contrôle de l'action de l'État. Alors que nous connaissons très bien que ce n'est pas vrai. C'est pas comment se fait-il qu'on peut applaudir au budget, alors que le budget, ça, il n'est pas fait du tout d'après les règlements fixé par les lois haïtiennes, parce que le règlement fixé par les lois haïtiennes demandait que justement il y ait un débat qui fait au niveau du Parlement pour pour l'adoption du budget. Mm-hmm. Donc son budget qui est adopté de façon tout à fait autocratique, okay, par l'exécutif et qui pas du tout fait l'objet d'aucune négociation avec les secteurs et les différents acteurs économiques. Ensemble raison, il dit qu'il conduit nous là, mais Kounia, il prend aller aider nous, comprendre des séries d'initiatives, il pense qu'il prend pour aider nous sortir dans ça nous trouver. Il est clair que nous avons payé les conséquences de choix économiques qui fait au pays en depuis 1983, avec la signature du premier accord stand-by qui était fié avec le Fonds monétaire international pour 60 millions de dollars américains. Et côté que gestion économique, là, que ce soit les politiques macroéconomiques, que ce soit les politiques sectorielles, l'inspiration néolibérale. Okay? Et donc, une politique monétariste, et pas une politique qui n'est pas une politique de croissance, qui n'est pas une politique de dynamisation des secteurs économiques, qui n'est pas une politique d'appui aux différents acteurs économiques. Okay? Par exemple, une bah, paradoxale que nous vivons pendant la période 2022-2023, c'est que compte tenu de situation de coupures
de différents circuits économiques. Nous avons un paquet d'initiatives qui apprend au niveau local et régional. Un paquet d'initiatives, un paquet d'initiatives qui apprend par exemple au niveau de la production alimentaire, etc. Et qui a besoin d'un appui significatif au niveau de l'État sous forme de crédit. Et il n'y a pas joué d'appui, ça. C'est plus fort initiative, ça, en fait, dans le silence le plus total et très souvent dans l'isolement qui peut permettre que vous ayez un impact réel au niveau national. Donc, il y en a un premier bail qui doit faire, c'est abandonner l'orientation néolibérale. OK? Avec une rupture significative par rapport aux ordres qui émanent du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, et qui est un gros responsable de situation d'effondrement économique qu'on a vu aujourd'hui. Donc, il faut une économie qui soit au service des citoyens, une économie qui soit au service des besoins de la nation, une économie qui gagne comme objectif d'abord résoudre le problème grand goût. Il n'est pas normal que nous gagnions moitié population qui est dans le grand goût. Le pays d'Haïti, c'est un pays qui gagne des ressources extrêmement intéressantes pour être capable de gagner un certain niveau d'autosuffisance alimentaire, n'est-ce pas? Donc, il faut résoudre le problème de la faim, ça c'est un bail qui est urgent. Okay? Il faut résoudre le problème de l'emploi. Quand on gagne des centaines de milliers de monde qui n'ont pas qu'à travail, qui n'ont pas jeune travail, même leurs compétents, pas. Et on gagne un problème de déficit au niveau des services publics de base, que ce soit au niveau des services d'éducation, de santé, d'assainissement et d'eau potable. Et alors que c'est des services qui sont fondamentaux, que sont disponibles avec une logique d'accès universel, alors que les services sont de plus en plus privatisés, de plus en plus coûtés cher, côté que par exemple, c'est question d'accès à l'éducation de plus en plus problématique dans le pays. Ça. Accès à la santé publique, nous voyons qu'il y a que même mécanisme de santé publique qui existait de plus en plus incapable de fournir service minimum que ont été fournis. Donc, ouais. Et bah, ça vient aggraver tout avec le plan Biden, côté que nous gagnons une hémorragie extrêmement importante de ressources qualifiées, c'est pas, notamment au niveau du secteur de la santé publique, au niveau du secteur de l'éducation, côté que nous gagnons un pays qui fait des efforts considérables qui investit pour former des cadres, et puis cadres à eux, je dis, ils sont partis. C'est 163 000 Haïtiens qui sont rentrés aux États-Unis pendant l'année 2022-2023. Okay? Et dans 163 000 à eux, ils ont estimé qu'il y a au moins 1600 policiers, par exemple. Okay? Mm-hmm. Donc, nous en présence de tout un ensemble de mécanismes qui sont des mécanismes de déstructuration et de fabrication du chaos. Okay? Et donc, il faut que nous sortions de logique ça, et que nous redéfinissons complètement les objectifs et les priorités économiques autour de la satisfaction des besoins prioritaires de la nation, notamment au niveau alimentaire, au niveau de l'emploi et au niveau de l'environnement, restructuration du capital boisé paysan. Et c'est ça qui est capable de permettre qu'effectivement nous lancions un processus de refondation économique. Écoutez, qu'un pays qui gagnait des ressources extrêmement importantes, capable profiter de potentiel. Ça. Il y en a pas intéressant qui passait dans l'année 2023, c'est l'initiative de Maribao, des paysans de Maribao, hein, qui montrait que justement, nous gagnons un pays qui gagne des ressources abondantes en termes hydriques, et puis, majorité de nos pays n'ont pas accès à de l'eau potable, majorité de nos pays n'ont pas accès à des services d'assainissement minimum, et la majorité des producteurs agricoles dépendent de la pluie et ils n'ont pas gagné accès à de l'eau pour irriguer terre. Okay? Donc, nous voyons que c'est une aberration totale qui expliquait justement qu'on a une économie qui dirigeait dans dos population, hein, ou qui dirigeait avec une logique de bail d'eau à ressources que le pays a gagné. Par exemple, en Haïti, on a 112 rivières disponibles. Pas? Mm-hmm. Et dans 112 rivières, on monte une quarantaine qui ont des débits extrêmement importants qui étaient capables d'utiliser pour répondre à besoin de population. Okay? Haïti, par exemple, utilisait moins de 15% de quantité de mètres cubes qui est disponible par année dans le pays. Okay? Alors que si on fait comparaison avec Cuba, avec la République dominicaine, qui gagne à peu près au niveau un peu plus élevé de disponibilité en termes de millimètres la pluie, c'est pas?
Mais utilisation totalement différente parce que justement, on gagne, par exemple, au niveau de l'État, une autre logique, un autre rapport, côté que justement, et objectif central là, c'est que l'économie doit permettre que les gens vivent bien. L'économie doit permettre que les gens mangent normalement, que n'ont pas grand goût, qu'on travaille, qu'on développe compétences. OK? Économie, c'est ça que lié. Économie, ce n'est pas, augmenter les recettes de l'État avec une perspective purement comptable et pas permettre que l'État travaille pour lui permettre que l'économie soit au service de la population. Merci un peu, professeur Chalmès. Si vous n'avez pas gagné, pas ajouté, vous mettez bout à l'entrevue pour aujourd'hui. Non, ça que nous t'a dit, c'est que signal que paysan Mariba ou vous voyez par les populations, son signal extrêmement important, son signal qui dit nous pour que pays a avancé. D'abord, il faut que nous sortions dans la division internationale de travail que les Américains ont posé dans le Caraïbes blanc depuis le début du XXe siècle, côté que ils ont par exemple investi massivement à Cuba et en République dominicaine pour moderniser l'industrie sucrière. Là, ils peuvent décider que Haïti a fourni main d'œuvre bon marché. Et organiser migration hein, de façon que justement Haïti toujours gagne une hémorragie de main-d'œuvre. Donc, tout autant que nous parlons avec Division internationale de travail, ça, il n'est pas possible pour nous construire une économie performante. Deuxièmement, il faut que nous luttions contre la dépendance alimentaire fabriquée. Hein? Politique non libérale a fabriqué dépendance alimentaire là, par rapport aux États-Unis, par rapport aux Dominicaines. Et paysan Marie Barreau dit il faut que nous suspendions ça. Nous sommes capables de produire manger la caille, nous. Okay? Nous sommes capables de créer emploi. Côté que nous, paysans Mariba, ou suspendons le travail dans des conditions presque de proto-esclavage en République dominicaine, n'est-ce pas? Et paysans Mariba, ou voyons un signal tout extrêmement important, leur dit-nous que yo pas pour obéir l'ordre de M. Abinader. Faut nous suspendre, prendre l'ordre dans mes autres. Suspendre, prendre l'ordre dans mes des mondes qui sont au service de l'impérialisme, au service de l'oligarchie locale. Yo. Il faut que nous soyons capables de définir un agenda économique qui priorise les besoins de la nation et les besoins de la population au lieu de prioriser les besoins de deux, trois entrepreneurs, deux, trois entreprises qui, par exemple, nous en Nord-Est, comment que deux, trois entreprises ont fait 1,20 million et sous base salaire de misère que paye la population, de, par exemple, dans les zones franches de Codévi et du parc industriel de Caracol. Donc, il faut un changement de logique, okay? Un changement de logique qui est basé sur l'autre rapport de pouvoir, côté que, par exemple, le paysanien gagne moule pour le dit dans la redéfinition objectif économique sérieux et dans la gestion économique là, globalement. Donc là, je pense que les leçons de Marie Barreau sont extrêmement importantes et ils sont en train de transformer en les véritables nouveaux gouverneurs de la Rosée. Mais il faut que la nation soit capable de prendre leçon sérieux et courageusement entrer dans une dynamique de combat pour nous capables de reconstruire l'économie nationale sur de l'autre base, en rupture totale avec les options néolibérales du Fonds monétaire international. Merci un peu, professeur Chalmès. C'est un plaisir. Et nous quand même souhaiter que dans l'année 2024, là, on continue le combat, on continue la résistance, là, et que nous sommes capables de reprendre la souveraineté économique paysan.